Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve comme promis lorsque mes bougies sont sèches pour le démoulage de celle-ci et la préparation de celle-ci. Alors c'est simple, hein. Hop, on enlève le petit bâton. Alors je vous montre la couleur. Donc j'avais bien mis beaucoup de colorant, donc c'est bien orange. Donc c'est bien un orange pétant. Et là il me reste plus qu'à couper. En fait, la mèche, hop, comme ceci. Et voilà, ma bougie, elle est prête. Alors, vous entendez du bruit derrière. C'est mes enfants. Donc voilà. Donc c'est fini pour la orange. Et donc la verte. Hop, c'est pareil. On enlève le petit boîte, le petit truc en bois. Et on démoule. Alors, attention, hop. Et voilà, donc voilà le résultat. Comme je vous disais, ça fait des feuilles. Donc, ça rend super bien. Voilà, donc la mèche, comme vous le voyez, elle a bougé pendant le séchage. Bon, voilà, elle n'est pas au milieu. Ça se trouve, elle est complètement, de travers. Mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça fait en dessous. Et elle est d'aspect assez grasse. Voilà, donc c'est peut-être la cire de soja qui fait ça. Parce que je ne l'ai pas graissée, hein, parce que c'est du silicone. Hein, voilà. Et donc voilà le résultat. Donc là c'est pareil. J'ai juste à couper la mèche. Hop! Et voilà. Voilà le résultat de ma bougie. Donc voilà le résultat de ce moule qui, je trouve, est magnifique. Donc là, j'aurai juste à la poser comme ceci pour l'allumer. Donc voilà, donc je vous mets le lien du site Panda Hall en barre de description. Je vous rappelle que j'ai un code promo de moins 10% sur cette boutique. Je vous mettrai le lien du coup de tout ce que j'ai eu dans cette boutique en barre de description, ainsi que le lien du site, mon code promo. Et voilà le résultat. Alors, j'ai pas encore osé acheter comment dire, des huiles essentielles pour faire des parfums, mais je pense que déjà il faut que je me rachète des petits copeaux de cire de soja pour en refabriquer, mais je pense que je vais essayer de me lancer à mettre du parfum dedans. Voilà, donc j'espère que ce petit résultat vous aura plu. Moi, j'adore. Sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!